Coucou, aujourd'hui on est lundi, donc j'ai été au bureau aujourd'hui comme tous les lundis. La seule particularité c'est que donc je n'ai pas mangé toute la journée et en fait je m'en porte assez bien. Enfin, je ne sais pas si je vais avoir un crash en fin de semaine vu tout le taf qu'on a, mais pour l'instant ça va. So far so good, comme disent nos amis américains. Ouais, non, je voulais faire une vidéo donc à l'air frais, il fait super beau, et une vidéo pour dire qu'en fait, la raison pour laquelle aussi je me sens bien aujourd'hui et au boulot, c'est parce que en fait, j'ai l'impression d'avoir cleané en fait pas mal de choses. Ces derniers temps, j'ai été assez en confrontation. Pas en confrontation, en altercation violente, ni rien du tout, mais j'ai eu quelques occasions de vraiment exprimer le fond de ma pensée, comment je voyais les choses. Et en fait, ça fait énormément de bien, quoi. Enfin, on oublie, en fait, moi en tout cas, j'ai tendance à oublier les bénéfices de ça, de cette capacité à être, de cette franchise au boulot. Alors, bon. Moi, je suis quelqu'un en plus, j'aime pas du tout les confrontations, rentrer en confrontation avec les gens. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez difficile pour moi. Mais en fait, en grandissant, je m'aperçois qu'il y a des situations dans lesquelles c'est nécessaire et en fait, des situations dans lesquelles c'est vraiment bénéfique. Et ouais, hier par exemple, j'ai appelé un de mes boss. On était dimanche, j'ai appelé un de mes boss parce que tout d'un coup il y avait un email qui m'a fait me sentir mal en fait, qui m'a fait voilà, douter de moi-même et dans le ton, etc. Enfin, j'ai ressenti vraiment quelque chose de très fort et je me suis dit, bah, en fait, Diella, si tu penses que si tu ressens ça en fait, c'est que cette émotion-là, elle vaut la peine d'être ne serait-ce que partagée avec l'autre personne, quoi. Et en fait, j'ai pris sur moi voilà, pour répondre et prendre le téléphone et dire que, en fait, ben, et je me suis vraiment, voilà, j'ai pris bien 10 minutes pour me ressaisir et en me disant qu'en fait, si une émotion est là, si y a un truc qui marche pas, qui coince et on sent qu'on bloque sur un truc, et si c'est aussi présent, c'est que en fait, elle a sa place dans le monde et que l'autre personne peut très bien en bénéficier et en ressortir, enfin apprendre une sorte de leçon vis-à-vis de tout ça, quoi. Donc, ouais, je me suis fait une belle leçon ces derniers jours. Et encore une fois, ouais, c'est le message que je voulais passer, que en fait, toutes les émotions en fait, qu'on vit, elles ont leur place. Tout simplement. Si elles sont là, si on les ressent, si on les vit, c'est que c'est justifié en fait. Et qu'on n'a pas à les réfréner ou à les cacher ou à les enrober pour protéger les autres ou quoi que ce soit. Enfin, il y a des situations dans lesquelles ça fait du bien et c'est même nécessaire de partager tout ça. Donc, voilà. Une vidéo un peu en mode, je sais pas, philo, ben non, enfin même pas philo, j'ai même pas envie de, c'est même pas ça, mais ouais, je pense que c'est un beau message en fait. Toutes les émotions que l'on ressent, elles ont leur place dans le monde. Voilà, je te laisse méditer là-dessus et je te dis à demain.